Et c'est tout, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau championnat de Formule 1. On avait fait la saison 2002 sur le jeu Grand Prix Challenge. Et cette fois-ci, on se retrouve sur le jeu F1 Championship sur la version PlayStation 3. Alors à l'époque, on avait fait la version Play 2, il y a un bail maintenant. On avait fait Super Aguri, puis il me semble Red Bull au cours de la saison. Et cette fois-ci, en fait, on va commencer directement dans le dur. On va prendre une équipe qui est un peu plus faible. On va prendre Midland, pour une fois. On sera avec le pilote Christian Albers. Et en difficulté, élevée, on mettra les dégâts. Météo variable, pas de pénalité par contre. 20% de distance de course. Et puis voilà, on va repartir là-dessus. Alors je sais d'ores et déjà que ça va être, je le dis toujours, tout le temps en général dans les nouveaux championnats, mais en gros ça va être compliqué et finalement ça ne l'est pas. Là je vous assure vraiment ça va être compliqué. Vraiment. On est dans une équipe qui font de tableau avec le Super Aguri. Il va falloir vraiment pas faire d'erreur si on veut espérer ne serait-ce que peut-être marquer un point sur un malentendu. Et donc on va commencer le début de saison à Bahreïn. Bon, je sors toujours de la maladie, donc ma voix est un peu morte. Mais bon, il fallait bien que j'avance un jour. Alors du coup, vous débutez Grand Prix, tableau des points, passez la course sur des profils. On va faire donc débuter Grand Prix. Choisir session. Et moi, en off, je vais juste m'entraîner un tout petit peu au niveau des essais libres. Et on se retrouve pour la qualification juste après. Et donc on se retrouve pour la qualification, il va nous rester donc 15 minutes, je rappelle que c'est la qualification en mode 2006, donc la qualification en Q1, Q2, Q3. Nous allons assister à une heure de suspense et de spectacle, la première séance va commencer très bientôt, alors découvrons qui sera admis à continuer et qui se retrouvera en fond de grille. Voilà alors du coup, qui quitte les destins dans ce début de première séance. Du coup on va quitter le garage, on va s'en sortir directement. Ok, j'ai déjà mis avant à NBM, c'est magnifique. Donc le Grand Prix de Bahreïn en mode jour, pas en mode nuit. Puisque à l'époque c'était le jour, ça fait pas si longtemps que ça encore que le circuit s'est mis en mode course de nuit. Je crois que c'est à partir de 2014, si je me dis pas de bêtises. Alors, donc c'est un circuit qui est mine de rien assez compliqué, surtout au niveau des vibreurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'amuser forcément à aller trop dessus, sinon la voiture elle part instantanément. Je vous montre un petit peu quand même du coup. Je crois qu'on s'est touché avec l'ABM. Oh là, attention. Oh, doucement. J'allais dire, on va laisser passer mon coéquipier. Donc on va faire chauffer un peu les gommes dans ce premier tour lancé. Le must, ça serait que je puisse avoir l'aspiration de mon collègue, ça serait vraiment cool. Donc, si déjà on arrivait à passer en Q2, ça serait un exploit, concrètement. Alors, j'ai fait les temps en essai, on était 17ème. Avec vraiment très peu de marge d'amélioration. On va savoir que Midland a marqué 0 points en 2006. Il va me laisser passer, c'est gentil. Donc 3 tours d'essence, donc genre 2 tours pour faire un bon chrono. Et ma plus grosse difficulté est vraiment les freinages en courbe. Parce que la voiture est vraiment difficile à manier dans ces conditions-là, elle a tendance à glisser de l'arrière. Alors j'ai augmenté un peu les ailerons des deux côtés, du coup avant-arrière, pour justement éviter qu'elle parte trop à la faute. J'ai raté un peu la corde. Qu'elle part trop de l'arrière. Alors ce qui m'emmerde c'est que du coup je vais être attrapé par des pilotes beaucoup plus rapides et ça risque de me gêner dans mon tour. Et voilà, je suis parti à la faute légèrement. Ouais, ça c'est pas trop ça, j'ai vraiment raté mon premier secteur. Et bim, on est en travers. Aïe, je sais évidemment mon tour tourne de contre-pas. Désolé la STR. Bon, du coup, il faut que je retente. Scott Speed réalise un nouveau temps au tour. Il devrait être satisfait de son résultat. Ah non, je suis complètement loupé. On va laisser passer la STR parce qu'elle va mettre un peu trop de pression. Alors, on va attendre un petit peu. On va laisser de la marge. Si elle peut m'aider pour l'aspiration, ça peut être pas mal, hein. Ça peut être une idée. Thiago Monteiro réalise un nouveau temps. Donc je suis coéquipier avec Thiago Monteiro justement. Donc pour l'instant c'est Heidfeld hein, qui a le record du tour. Alors mon problème c'est que je vais pas avoir beaucoup de vitesse de pointe, hein, parce que j'ai quand même rehaussé les ailerons. Déjà j'en ai pas spécialement beaucoup avec cette voiture. Marc Weber boucle un tour complet. Ouais, j'ai du mal à m'inscrire en sortie de virage. En vrai, j'aimerais vraiment pouvoir attraper Scott Speed. Ah, c'est pas Scott Speed devant, c'est Yudi. Rosberg, Jacques Villeneuve, Giancarlo Fisichella, Juan Pablo Montoya, Michael Schumacher, Jensen Button. Pour l'instant, je tiens à peu près le rythme de la voiture de devant. Et merde. Et voilà, je m'en serais douté. Bon, bah du coup, on va revenir au stand. On va retourner au stand. Et on va requitter le garage. Ah, j'ai pas réussi à faire un seul tour propre. Et en plus, on ressort juste devant une STR, donc c'est moyen. Allez, on va essayer de faire un tour là. Oui, il y a une petite bosse à la sortie. Au plein milieu du virage, et du coup... Qu'est-ce qu'il fait? Et du coup... Ah, il me laisse passer, c'est gentil. Et du coup, le fait qu'il y ait une petite bosse, ça déséquilibre la voiture. Et quand je réaccélère un peu trop fort, elle commence à glisser de l'arrière. Alors j'ai calculé que le format de chaque course, hein, c'est à peu près une heure. Sachant qu'on a les Q1, Q2, Q3 à chaque fois. Qui est assez long, mine de rien. Et surtout... Surtout après la course. Je peux le prendre à fond, hein, cet endroit, mais... C'est vraiment la accélération que ça devient complet. Là, il m'a laissé un peu de marge. On va essayer d'en profiter. Allez, c'est parfait. On va démarrer un tour rapide. Donc Villeneuve va battre hein, en U37.4. Bon, vraiment, j'étais censé me donner que 2 tentatives, mais comme j'ai loupé les deux, faut quand même que je puisse avoir une chance de faire un tour quand même correct. J'ai du mal à bien sortir là. Attention les... Ouais. Beau vibreur. Ah, mine de rien. Ah, je perds un peu de temps à chaque fois ici. Ah, j'ai perdu beaucoup de temps. Ah, j'ai perdu bien 5 dixièmes maintenant l'histoire là. Allez, je suis à 5 dixièmes, c'est ça. De mon meilleur secteur. Pourquoi je dis ça, mais c'est vrai que Q1, Q2, Q3, je les verrai pas forcément, puisque si j'échoue à chaque fois en Q3, en Q1, pardon, bah ça va raccourcir drastiquement. Tour complet terminé, 37-2. Oh là, mon dieu, c'était juste à côté. Je vais quand même tenter de le finir ce tour. Allez, deuxième tentative. Oh non! Bon bah écoutez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, retour au garage. Ah c'est dommage parce que je pense que j'aurais pu... Eh ouais, j'aurais pas fait mon erreur là, j'avais 5 dixièmes de mieux. Ah, 5 dixièmes c'était juste au-dessus de Yudi, hein, mais vraiment juste quoi, c'était à la limite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc afficher séance. On peut pas l'accélérer parce qu'il reste 26 secondes. Du coup, c'est un peu fichu. On va faire donc quitter la séance. Nous poursuivrons dans quelques instants par la deuxième séance qui décidera des places 11 à 16. Bon, on finit 17ème, ce qui est quand même devant notre coéquipier. Hein. Monteiro est 21ème. Les deux Super Aguri 20ème, 22ème. Villeneuve Speed, ok. Bon, c'est pas grave. Hein. On va faire quitter la séance pour voir après les places de 10 à 16. De 11 à 16. Rosberg, Clean, Heidfeld, Weber, Coulthard, Yudzi. Qui a fait une 39-0. Ah ouais, même dans si j'avais réussi à passer. Si j'avais réussi à passer dans leur deuxième séance, j'aurais peut-être pu faire un tour en... Eh, j'aurais peut-être pu finir 14ème sur la grille, ça aurait été pas mal. Bon, de toute façon ce qui est important c'est la course, et au regard du nombre d'erreurs possibles pendant les tours, ça va être compliqué. On va quitter la séance, et du coup, la pole position pour Felipe Massa en 1.35.9 devant Alonso, Ralf Schumacher, Montoya, Raikkonen, Fisichella, Michael Schumacher, Barrichello, Trulli et Button. On va donc partir 17ème. Sur la grille. On va dire le meilleur des autres en Q1 pour se rassurer. On va faire du coup la course. Vous nous rejoignez dans la chaleur torride du golfe Persique en direct du Grand Prix de Bahreïn. La popularité de la Formule 1 est sans borne. Ils n'ont peut-être pas d'écurie ou de pilotes qui courent dans ce Grand Prix, mais nos hôtes arabes sont de vrais fans. Qu'il s'agisse de chevaux, de chameaux ou de véhicules de Formule 1, Bahreïn adore la course. La Formule 1 a conquis le Moyen-Orient et nous sommes prêts à affronter la chaleur torride de cette course dans le désert. Voilà, toujours autant de superlatifs. On fait donc continuer la grille de départ. Donc vous l'avez vu. Et donc 12 tours à faire. Surtout, restez avec nous, montez le son et régalez-vous. On y va. Allez, c'est parti. Ouais, j'ai fait un départ... un peu moyen. On va prendre l'intérieur, hein, c'est la meilleure solution. Attention au freinage. Attention. Ouh, c'est légèrement touché avec la Red Bull de Coulthard. Ok, 14ème. Faut que je chauffe un peu les gommes hein, aussi. Comme vous pouvez le voir déjà dès le début, j'ai pas beaucoup, j'ai trop d'ailerons hein, donc... Il va falloir vraiment que je trouve dans une zone où je prends pas aspiration. J'ai les pneus qui sont froids. Alors dans moi c'est Weber je crois. Ouais c'est ça, Weber 13ème. On verra, j'espère qu'il n'y ait pas trop de soucis pendant la course. Bon, je vous avoue que mon premier but dans cette course, ça se doit de la finir. Oh oui, pas mal. Au dépassement à l'extérieur. Moi, j'ai mieux... J'ai mieux reparti, là. L'avantage, c'est que j'ai un peu l'aspiration devant. Ça permet de... Ah, et encore, vous voyez, la vitesse de pointe, elle est pas très grande. Voilà à quoi ressemble la course après le premier tour. Massa occupe la première place. Deuxième, Fernando Alonso. Il va falloir vraiment que j'esquive les vibras hein, pendant 12 tours, là. Juan Pablo Montoya est quatrième. Kimi Raikkonen, cinquième. À la sixième place, Giancarlo Fisichella. Schumacher est septième. Et Rubens Barrichello est 8ème. Essaie de continuer à piloter comme ça, tu remontes magnifiquement au classement. Alors pour l'instant j'ai... Oh, ouais, c'est jamais touché. Pour l'instant j'ai un pneu qui est pas trop en température, hein, c'est le pneu droite. Et voilà, c'est ce qui va être problématique. Si j'ai pas d'aspiration, je vais galérer. Oh, ils sont juste derrière. Ah, ils vont pas me lâcher. Hein. Ouais, j'ai une bonne accélération dans l'avant-dernier virage. Ça, c'est vraiment ce qui peut m'aider pour la suite parce que ça me permet après de recoller à l'aspiration les pilotes devant moi. Alors je précise que j'ai un peu anti-patinage quand même, hein. J'ai oublié de montrer les réglages voiture. J'ai un peu d'anti-patinage, j'ai un peu d'anti-blocage aussi, stabilité en faible. Voilà, pour que ça reste quand même un peu jouable. Parce que la manette on n'est pas très précis, donc... J'ai pas mis le jeu non plus en difficulté... Ouh, attention, on s'est touché. Au maximum de la difficulté. Déjà l'IA en difficile c'est déjà pas mal, hein, je vous le dis franchement, surtout avec, avec une mauvaise équipe. Là je pourrais passer en fait mais... Alors, je crois que je suis en pneu temp par contre, j'ai déjà oublié les réglages que j'avais mis en essai. Donc à voir 12 tours avec les pneus tentes que ça va donner. On peut louper là, la relance. Tu viens de battre ton meilleur temps dans la deuxième portion. Attention, oh putain ça va être compliqué ici. Ouais, c'est vraiment quand je sors de la piste, là le retour en piste c'est compliqué. Tellement peur que la voiture elle parte d'un coup. Ah, si j'arrive à recoller un peu la voiture de devant, ça me permet d'annuler un peu l'aspiration de la... de clean derrière. Ah, mec, ça il va quand même pouvoir me rattraper. Et puis tellement pas Trulli devant. Après faut se dire aussi... Oh la vache qu'on... Ouais, dépassement au chausse-pied. Pas mal. Faut se dire aussi que... J'ai de moins en moins d'essence, donc je vais de plus en plus vite. Mais c'est le cas pour tout le monde hein, finalement donc... Regardez l'écart qu'il y a devant hein, sur la map, on voit la Ferrari, je crois que c'est la Ferrari et la Renault. Il y a un énorme écart par rapport au troisième. Oh là là, beau dépassement. Ah, il m'a complètement surpris là. Bonne J'ai failli faire aussi dépasser par la Red Bull. Il me sauve vraiment hein, ce virage. Oh, attention avec la Toyota. Ils vont me dépasser tous les deux. C'est bon, j'ai réussi à conserver la position. Ah, c'est King qui est passé du coup devant Trulli. Alors devant nous c'est Rosberg. Alors il y a aussi les avaries, hein, je vais en parler, mais il peut y avoir aussi des abandons devant nous. Superbe première portion, c'est ton meilleur temps jusqu'ici. Ah merci, hein, je prends. Alors, vraiment les parties lentes c'est là où je m'en sors le mieux en général. Ce qui est logique. J'évite d'accélérer sur la petite bosse. C'est dommage hein, parce que le fait de pas pouvoir accélérer sur la petite bosse, ça me coupe toute ma relance. Et je me suis un peu loupé là par contre. Bon, après on devrait pouvoir se refaire dans le double. Oh non! Oh, 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 oh. Oh non, j'ai essayé de reprendre. Oh non, quel dommage. Oh, j'ai essayé de contrebalancer à la fin, mais c'est vraiment pas passé quoi. Aïe aïe aïe, quel dommage, quel dommage, quel dommage. Ah, la petite erreur là qui... Oh yeah, il se passe un truc devant. Putain, c'est pas possible. Putain, c'est le bordel, c'est le bordel. Je vais retourner au stand. Aïe aïe aïe, non, là. Ah putain. Ah bah tout est en train de s'être ruiné là. Ah je pouvais pas l'éviter, il faut que j'aille sur l'extérieur et malheureusement c'était le mauvais choix. Allez, on va essayer d'être rapide. Et du coup ils vont changer les ronds, hein, c'est logique. 7ème position Raikkonen et Rubens Barrichello est 8ème. Et on repart. 15 secondes d'arrêt hein. Malheureusement. Alors attends, je fais pause 3 secondes. Ouais, donc on reprend. Oui. Bon bah du coup c'est un peu fichu tout ça. J'ai pris un col entre temps, c'est pour ça. Bah du coup on est bon dernier. Pas super plan. Ouais, il y a une voiture devant, c'est ID je crois. Bon qui a l'air un peu loin mais bon, pas tant que ça. Cette tour, c'est pas encore mort mais bon je pense que pour rattraper la Super Aguri ça va être compliqué. Ça se trouve c'est même pas ID, hein. Ça se trouve c'est... C'est une Toyota. Bon bah c'est les aléas, hein, qu'est-ce que je vous dise. On n'a pas su éviter l'accident devant. C'est dommage parce que là on aurait repris une place ou deux places perdues. On va voir les écarts avec cette OID. Mon coéquipier est 18ème. Et ouais j'ai du mal à garder la corde. Hein. Ah, j'ose même plus accélérer bien maintenant. 8 secondes. 8 secondes avec idée. 39 secondes avec Monteiro. Bon bah ça va être la bataille épique entre Albers et ID. Je pense être très content d'être abonné pour voir ça. Abonné ou pas, d'ailleurs je dis ça pour rigoler. Il est en fond de ligne droite. Seconde 3. Alors on va essayer de le rattraper. Peut-être qu'il peut y avoir encore un accident devant, hein. Peut-être qu'on peut récupérer une place ou deux. Mais c'est dommage hein, parce qu'on était plutôt bien placé. Hein. On croit qu'on était 11ème à un moment. Et 11ème pour une Midland, mine de rien, à la régulière, c'était quand même pas mal. Je suis plutôt content de la performance. Nous en sommes aux deux tiers de la course. Massa occupe la première place. Allez, 7 secondes. 7 secondes sur la Super Aguri. On va essayer de pas terminer dernier, hein, écoutez. Juan Pablo Montoya est 4ème. Ah, je suis le point vert hein, au milieu du circuit, point rouge devant, CUJD. Je crois qu'il y en a abondant, non? J'ai vu un point disparaître. Ah, alors attention, hein, comme sur la PlayStation 2, il y a peut-être une trace sur le sur la trajectoire. Ouais, elle est là, on l'a vu. Ah, c'est bien ce que je pensais, il y en a mon nom, je pense. Je sais pas qui c'était, hein, mais... Qui dit perte d'huile dit abandonner 20ème, voilà, c'est bon. Je sais pas que c'est qui a abandonné. Cinq secondes. Et 5 tours. Alors que nous sommes aux 3 quarts de ce Grand Prix, Massa occupe la première place. Deuxième, Fernando Alonso. Derrière lui, c'est Ralf Schumacher. Ah, pas mal Ralf Schumacher sur la Toyota. En 3ème position. Bon, la Toyota en 2006 qui est encore une voiture correcte, hein. Bon, même si la saison 2005 était meilleure. Ils avaient quand même fait une saison normale. Alors j'ai failli prendre Williams. Je me suis tâté pour la Williams qui fait partie d'une des voitures que je préfère de la saison 2006 avec la Super Aguri. Mais la Super Aguri on l'avait déjà prise sur la version Play 2, donc du coup je me suis dit que j'allais un peu changer. Tu viens de faire ton meilleur temps dans la deuxième portion. C'est pas mal ça, 4 secondes 7, UJD. Si je prends quasiment une seconde par tour, on peut recoller, hein, mais ça va être difficile quand même. Je commence à voir sa silhouette au loin. Bon, dans la réalité, Midland en début de saison est plus rapide que la Super Aguri, hein. C'est vraiment quand la Super Aguri va avoir sa deuxième version que la Midland va passer vraiment dernière voiture de la saison. Enfin en alternance avec Super Aguri. Ouais, je laisse filer un peu, mais... Ça marche pas trop hein, dans ce virage. Fisichella termine plutôt bien son tour. Plus qu'un 10ème de seconde d'écart. Quelle superbe manœuvre de Fisichella. Parfait. Il a gagné une place. C'est quand même dommage qu'on ait des commentateurs qui soient pas connus. Enfin, pas connus. Qui soient moins connus que ceux qu'on est par exemple sur TF1 à l'époque. Ou... Parce que ça va vraiment... Enfin déjà ils ont des bons commentaires je trouve. Les commentaires sont plutôt réussis dans ce jeu. Il détaille pas mal ce qui se passe devant, on se sent pas tout seul en fait, voilà, quand on est en course. Mais ça aurait été sympa d'avoir, je sais pas, ouais, les commentateurs de TF1 par exemple. J'ai encore fait mieux. Bon, en tout cas, la tenue des gommes, ça n'a pas posé problème, même si je me suis effectivement arrêté une fois. C'est pour ça que d'ailleurs je reviens aussi vite. Et je crois que derrière c'est la... Je crois que derrière c'est le leader, hein. Dans la ligne droite. Ouais, il fallait vraiment esquiver cette partie-là. Allez, 3 tours pour dépasser le JID. qu'on approche de la fin de ce Grand Prix. Massa occupe la première place. Deuxième... Ouais, je tente. Ouais, nickel. J'en ai passé. Juan Pablo Montoya. Fisichella est quatrième. On sera pas dernier. En tout cas, pour le moment, on n'est pas dernier. On se rapproche à ce qu'on peut. Derrière lui, c'est Ralf Schumacher. Il a chuté depuis la... Alors, Villeneuve, lui, par contre, est très loin. Il est dans la ligne droite, hein, concrètement. Donc, c'est mort. Bon, en tout cas, on est à 3 tours du but. Qu'est-ce qu'on va retenir dans cette première course? Bon, bah... C'était pas si mal. Franchement, c'était pas si mal. On avait un bon rythme. On fait pas le meilleur rythme du monde, hein. Je pense qu'on aurait galéré à rentrer dans le top 10. Mais il y a eu pas mal d'abandons devant, donc peut-être que... avec la chance... On aurait peut-être pu... Bah, je sais pas, finir 8ème. Par exemple. Bon, certes, j'ai fait une erreur, hein, donc ça reste quand même... pas oublié, c'était pas parfait non plus. Mais en tout cas, c'est rassurant pour la suite de la saison. Ah, 37 secondes de Villeneuve. Je suis complètement loupé. Dernier tour pour Felipe Massa, il devrait gagner. Et ça arrive, hein, ils sont pas loin. C'est bien, c'est Yuji Ide qui bloque un peu Massa. Montoya est passé à la vitesse supérieure, le combat est engagé. Il a creusé l'écart d'un 10e de seconde supplémentaire. Alors l'écart 37-2. Voir si on aurait pu tenir le rythme des pilotes devant nous. Bon, en tout cas, Massa a gagné. On termine juste derrière nous. Il commence à attaquer. Il se rapproche lentement. L'écart a encore diminué d'un 10e de seconde. 36-8. Oh, des plus rapides que Villeneuve. Alors je sais plus si le jeu arrête la partie quand on est derrière, au bout d'un certain temps, ou s'il va me laisser finir. Oh attention, là je fais me louper. Bon, en tout cas, UGD étant un tour, j'ai aucune chance d'être battu, en tout cas d'être de finir 19ème. Désolé. J'ai plus de doigts. Là, on l'espace de 12 tours. Heureusement qu'on n'a pas fait une course de 20, 30 ou 50 tours. Allez, on va franchir la ligne d'arrivée. Une autre vue, tiens, pourquoi pas. Alors, Massa remporte la course devant Alonso, Montoya, Fisichella, Michael Schumacher, Ralf Schumacher. Ah, finalement, la Toyota, elle a bien dégringolé sur la fin. Raikkonen 7, 8ème Barrichello. Donc un point pour Honda aussi. Button, clean, Rosberg, clean, pardon. On va voir l'autre partie du tableau. Coulthard 12, 13, Heidfeld, 14e Weber, 15e Newsy, 16e Speed, 17e Villeneuve, 18e nous-mêmes et 19e ID. Un retour. Ouais. Ouais, bon, bah c'est dommage, mais c'est rassurant pour la suite de saison. On va continuer. Bon, le classement pilote qui suit logiquement le classement de cette course. Voilà. Classement constructeur. Et pour le coup, on se retrouvera pour le Grand Prix de Malaisie, la prochaine seconde course de championnat. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.